Salut, Vlogmas 24. Ça y est, nous y sommes. On est lundi, donc le 23. Aujourd'hui, je vais aller aider ma maman sur le dressage de sa table de Noël. Je crois que nous allons être 11, quelque chose comme ça, 10 ou 11, je ne sais plus. Décoration, genre de choses, histoire de l'avancer un petit peu. Je me suis dit également que j'allais vloguer encore un petit peu. Ça vous aura peut-être à vous divertir d'après ce que je lis. C'est des petits moments qui vous aident à vous détendre et un petit peu à échapper de ce quotidien, notamment avec tout ce qui est grève et les trucs qui sont pas très cool en ce moment. Donc voilà, si je peux vous aider. Donc déjà, je vais essayer de vloguer le 24, le 25, le 26. Je m'avance pas pour les autres jours, mais je vais faire en sorte de prolonger cette période de vlogmas. Donc ce sera plus des vlogmas, mais j'ai envie de continuer à être avec vous. Sur ce, il est midi et Eric veut qu'on aille, il a besoin d'acheter 2-3 trucs à Leclerc. Il m'a dit que midi, logiquement ça devrait aller, ça va pas être le rush, mais bon, j'ai un petit doute, donc on va faire ça. Je vais grignoter rapidement, je pense que je vais me prendre un truc à Leclerc, genre un sandwich. Après j'enchaîne, donc comme je vous disais, chez ma maman. Pour après également commencer le montage, vu que le vlog que vous êtes en train de regarder, logiquement je l'aurais publié, idéalement j'aimerais bien pour 9h ce matin, donc ça veut dire qu'il faut que je m'avance vraiment. On va ouvrir quand même le calendrier de l'Avent du 24. Alors, ma maman, sachant qu'elle, il y a un jour de décalage, le cadeau que je vous montre, c'est le cadeau d'aujourd'hui, donc du 23. C'est ça, hein? Du 23. C'est un petit ensemble culinaire, je crois que c'est du couscous. Bref, je vous mets la petite photo. Et nous, on va ouvrir le 24. Hop, je ne vous cache pas que j'ai l'espoir que ce soit bon. Pour le rouge à lèvres, c'est mort. Hein. Oui, c'est lourd. Alors, est-ce que ce serait pas un parfum, un format quand même plus gros que ceux-là, même s'ils sont très mignons. On va voir. Attention. Oh, oh, oh. Ah oui, quand même. Alors là, je crois que ce calendrier est amorti. Magnifique. C'est pas un format boutique, enfin... parfumerie, donc un 30 ou un 50, mais c'est quand même un 20 ml, c'est La vie est belle, le flacon est splendide. Wow, alors je vous montre, regardez, on a la petite sœur, enfin, juste à côté. Et ben c'est très bien, je trouve que ce calendrier finit très très bien, mais il n'y en a plus. Hier je vous ai dit que j'allais avoir un miroir, hein, qui est juste à côté, je ne vous montre toujours pas. Ce qui me met dans l'idée de tout changer. Alors là, j'ai déjà rapatrié le grand miroir qui était dans l'autre pièce. Et ce qui va certainement se passer, donc je suis toujours à contre-jour, c'est que, quoique, je sais pas, parce que là, je suis en train de me dire, quand je filme, je suis à contre-jour. Je pensais mettre le miroir ici, mais si la luminosité est comme ça, ça va pas le faire. Donc c'était soit là, soit ici, le miroir. Et bien sûr, bah ça, on va switcher. Ça, ça serait peut-être là-bas, c'est-à-dire en fond de vidéo. Voilà, je suis un petit peu en réflexion, on a la chaise qui était ma chaise de bureau, qui du coup, il faut que je réaménage tout, parce que c'est le bazar. Et puis, je trouve que cet élément, enfin le miroir que vous allez le voir, il faut vraiment qu'il ait une place très importante et qu'il fasse en fait, qu'il mette en volume la pièce. Et puis surtout qu'il soit posé dans un endroit très lumineux de façon à ce qu'on voit bien mes outfits. Et on y va ou oh, ouais. Mais oui, on y va. Mais tu te fous de moi là. Je me fous pas de toi, mais ma mère. Si, c'est bon, ouais. J'ai passé mes journées à t'attendre. Vous voyez là? Bon, bah alors. J'arrive. Là, c'est pas droit et ça me gêne. Mais tu peux parler, c'est moi qui t'attends la plupart du temps. C'est bon, je suis prête. T'es un peu de mauvaise foi là. Hein. Je t'attends. Hein. Oui, j'arrive. Ouais, bah voilà. C'est pas ce qui me semblait, hein. Midi 27, c'est bourré, bourré. Tu penses que demain, ce sera encore pire? Comment ça peut être pire? Il y a déjà plus de place. Mais si, regarde là, déjà. Ah, si, il y en a une, pardon. Ah, ok, ok. Dans 10 minutes, on a la vidéo. Mais tu rêves. Ici, là. Et celui-là, il fait quoi? Mais je sais pas, je crois que c'est... Alors quand tu regardes comme ça, ils disent qu'il fait tout, mais je crois que c'est que cuisson-vapeur, alors... Regarde. Parce que regarde, si tu regardes tout là, tac, 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 tac... C'est vous qui pilotez le mode de cuisson. Multi-cuiseur, pourquoi il y a... Regarde, tu m'expliques pourquoi il est à 179 alors que le genre l'autre, il est à 1300. Il est quand même joli, là. Oui, mais j'ai déjà eu mes cadeaux, bébé, moi. Il y a celui-là. Ah oui, regarde, les prix 155, celui-là, le blanc, là, je sais pas quoi. Celui-là, il est à 179. Je sais pas, pourquoi. Mais peut-être parce qu'il y a des options... Celui-là est plus balèze encore. Ouais. Tu sais pourquoi? Non. Non plus.
C'est pas toi qui as dit dans 10 minutes on est à la maison? Si, mais excuse-moi, mais là, j'aimerais bien faire vite, si tu ne m'interrompais pas. Clairement, on a mis beaucoup plus de 10 minutes. En plus, on s'est mis à la caisse. J'avais pas trop fait gaffe. Priorité, handicapé et tout. Donc, on avait tout mis. Une première personne, un couple, donc passe. On les fait passer avant une deuxième, mais c'est normal. Et là, il y a un monsieur qui me tape sur l'épaule, qui me dit... Je suis pas handicapée, hein, mais je vais avoir 100 ans. Pardon? Non, mais vous auriez vu le monsieur. Bon, il me dit 98 ou 99, mais il me dit, voilà, je vais avoir bientôt 100 ans. Droit comme un i. Le sourire hyper avenant, mais jamais de la vie, je lui aurais donné 100 ans. C'est là que tu te dis, mais ça évolue. Enfin, le corps humain et l'espérance de vie... C'était très beau, ce monsieur était, il m'a bluffé. Je vous montre rapidement, parce que je viens d'appeler ma maman, je lui dis c'est 13h30, je pourrais pas y être, sachant qu'il est déjà 13h25, il faut que je grignote. Je vous montre ce que j'ai pris, et puis après, bah, je file. J'ai pris du boudin blanc, ce sera pour cuisiner cette semaine, aux truffes, voilà, truffes 1%. J'ai repris les petits veggies soja, avec dedans du fromage. Ça, parce que j'adore ça, les carpaccio, huile d'olive. Je le fais. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Parce que c'est bon avec des frites. Eric a voulu qu'on prenne ça. Rôti de porc marron et girolles. Donc, soit 1h15 au four. C'est vrai que ça a l'air bon. J'ai pris des jus comme ça. Les petits yaourts. Je ne l'avais pas vu, mais j'adore la poire. Ça a l'air très bien. J'ai fait le plein de ça pour le matin. Eric, lui, s'est pris sa viande. 10 euros quand même, la pièce. Hein, l'entrecôte. Bah, le tradi, hein, ça. Les petits yaourts. J'ai pris également, je vais faire une pizza maison, donc il y aura ça, de la roquette, du chèvre, tomates, champignons émincés de Paris et éventuellement des dés de volaille, ça peut le faire. Des bananes, j'ai repris des petites barrettes format un peu plus gros et puis ça, passer au four, c'est pas mal. Pour emballer mes cadeaux, parce qu'il y en a certains que j'ai pas encore emballés. Et puis, c'est tout, je pense. Qu'est-ce que j'ai pris? Bah, confiture et du café. Ah oui, et ça, c'est pour maintenant, parce que j'ai pas le temps. Ça a l'air très bon. Il n'y a pas de mie, fromage frais, basilic. Ça me tentait pas mal. Et, ah bah si, Eric, il s'est pris ça, je ne sais pas, un hub. C'est pour multiplier les prises USB sur son ordi. Voilà. Bonjour, mon Jackie. Mais oui, tu as dit bonjour, mon bébé, ça. Ah non, on ne se frotte pas, on ne se frotte pas. Bon oui, t'es beau garçon. Bon, maman, elle n'a pas le temps. 13h38, j'ai attaché mes cheveux. Hein. Voilà. Comme je les ai lavés ce matin, j'aime pas le premier jour et tout. Je mange ça et je file. Je suis dans les temps, ça va. Faut que je ferme les volets. Non. Pourquoi tu veux fermer les volets? Ça, tu l'avais pas mis encore. J'adore quand tu mets cette petite guirlande de cascade. C'est beau. Donc, ah oui, attendez. Respirez. Bah, faut pas. Donc, on va être 9. Je vous avais dit 11, je crois, ce matin, mais non, on est 9. Donc, cette table va suffire. D'habitude, on fait ça, ce que vous avez vu, et comme ça, on prolonge, parce qu'on est beaucoup plus nombreux. On est combien d'habitude? Oh, 18 ou 20. 18 ou 20, là, on passe à 9. Mais c'est bien, c'est bien. On va faire ça, donc. On va mettre la déco de la table. Il reste plus que ça. Oui. Le 24. Donc, ouvre-le demain matin. Parce que tu me dis, oh, je l'ouvrirai demain soir. Non. Ah, tu verras quand tu ouvriras. On l'a mis partout super, en fait. Super. Non, mais c'est joli, j'adore. Oh, c'est super. Ça rendra mieux le et soir. Celle-là, parce que ça aussi. Ah, mais là aussi, il y en a du mode. Oui. Normalement, la table se prolongeait quand on était beaucoup, beaucoup plus nombreux. C'est la table de là où tu mets un petit peu le champagne, l'apéritif, tout ça, les petits fours. Il est marrant celui-là, il s'allume. Je peux regarder? Bah oui. Ah, bah alors, coquin. Si. Ouais, c'est vrai que ça. Ça rend pas des masses là, mais c'est beau. Ça, je vous avais déjà montré. C'est les serviettes de table. Tu les as préparées déjà bien à l'avance. Hein. Voilà, j'ai bien fait. Ça y est.
Ah, bah, il faut que tu mettes les fleurs. Donc, ça rend Ah, bien. Il y a des d'accord. petits cadeaux de table aussi, en fonction de Peut-être. la personne. Si... Mais ça, tu les mets quand? Ah non, après. Après. Je donne, tu sais. De toute façon, vous verrez demain. Mais si, avec les chaises, ça rend bien, moi, je trouve. Non? Dans un vase Alors. comme ça, et on va couper une amar... Comment tu dis? Amaryllis. Amaryllis. Amaryllis, comme ça. Donc, ça sera plus plat. Le centre de table. Carrément. Mais non, on va faire ça, ouais. Alors, Vas-y. je vais commencer par ça. Mathilde. On dirait des asperges. Tu vois? Commencer. Bien sûr, on enlève tout ça. Ça va être très beau. Ça va encore fleurir. Hein. Oui. Bah. Même si c'est coupé comme ça continue Oui. à... Ah oui. J'adore. Je prends de Waouh. quoi? Là? Oh là 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 là. Donnez-lui de la déco et vous refait la maison. Mais c'est pas con, j'avoue. J'avoue. Ça va être très beau. Ça y est, je rentre et je vais me mettre au montage histoire de m'avancer. J'allais oublier parce que chaque année, vous avez vu, il y a des petits cadeaux de table. Ma maman prend un petit cadeau pour chaque convive invité qui est mis dans l'assiette juste avant l'entrée. Et moi, en général, je m'occupe de celui de ma maman. Et ben, je ne l'ai pas encore pris. Donc, j'ai pas envie de le faire demain au dernier moment. Je pense que je vais y aller là. Je vais me poser, je vais déposer ce que j'ai à déposer. Et puis j'y retourne. J'ai bien envie d'aller essayer là chez un fleuriste, c'est tellement joli. Ça doit être des roses éternelles ça. Non. Ça y est, j'ai pris un bouquet, elle me le garde hein, le temps que je fasse. Et puis là, j'ai trouvé le petit cadeau de table. Enfin, je vais chercher. Je vais me tenter ce petit magasin. Allez. Je crois que je suis jamais venue ici. Pour un cadeau de table. Je sais pas trop parce qu'il faut que ce soit quand même petit. Cadeau de table, ok. Je me dépêche et je me mets sur l'ordi pendant 2-3 heures. On fera nuit quand je vous reprendrai. J'ai été contente, j'ai décalé presque devant l'ordi. Je me suis dit, merde, le bouquet. Ah, j'étais en train de bosser devant l'ordi. Je dis, mais j'ai oublié un peu ça. Je vous remercie. Au revoir. C'est trop beau. On se retrouve, comme je vous avais dit, 19h07. J'ai quasiment terminé le montage du vlog. Je vais donc clôturer maintenant. Et bien évidemment, je vais en profiter pour vous souhaiter un très bon réveillon donc, ce soir. Et puis, on va se retrouver demain à l'horaire habituel, 18h, pour vous montrer un petit peu bah, la soirée du 24. Jack, il faut que je vous le montre juste. Il a pris la boîte du 24 comme oreiller. Oh oui, il est tellement fatigué ce petit sort. Je vais vous faire un gros bisou et puis bah, vous dire de profiter pleinement de votre soirée. Et on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Salut!